Hola a todos, los pilotos del Calan. Si c'est ce que tu viens de dire là aux abonnés? Ouais, tu viens d'insulter tous les abonnés avec ce que tu viens de te dire. Ah bon? Oh désolé. En fait, vous devez répéter le mot en espagnol. Ok. No sea. No sea. Marica. Marica. No sea. Marica. No sea. Marica. Vous pouvez le répéter. No sea. Marica. Vous savez ce que vous venez de dire en fait? Vous venez d'insulter en fait en colombien. Mais c'est une chaîne pour rigoler, donc en fait vous venez d'insulter, mais il n'y a rien de méchant, c'est pour savoir comment on prononce en France ou en Chine. Donc vous êtes de quel pays? Ah, de Vietnam. D'accord, bah merci beaucoup. Merci. Question. Tu as une question pour une vidéo sur YouTube? Ouais. D'accord, en fait, c'est seulement répéter un mot en espagnol qui est no sea, no sea mal parido. Mal parido, ça veut dire quoi? Ok, attends, vous pouvez répéter tout seul no sea mal parido. Ça veut dire quoi avant? C'est une insulte. Ah, ok. Mais en fait, une vidéo pour voir si on sait répéter les insultes des Colombiens. Ah, ok. No sea, no sea mal parido. Mal pa... No sea mal parido. D'accord. Ouais. D'accord, merci beaucoup, merci. C'est pour participer sur YouTube en fait, c'est pour savoir comment on prononce l'espagnol, le français. Vous pouvez dire un mot en espagnol parce qu'on n'est pas du tout l'espagnol. Non, en fait, vous devez répéter un mot que je vous dis en fait. Ça vous dit ou pas alors? Alors dites coma popo. Coma popo. Je peux répéter? Coma popo. Très bien. En fait, vous avez dit bonjour mais à la manière colombienne en fait. Ah ben d'accord, c'est pas l'espagnol alors, c'est la colombienne. Bah en fait il parle espagnol, oui, mais un peu différent. D'accord. D'accord, bah je vous remercie beaucoup. Service, merci. D'accord. En fait, il faut juste répéter quelques mots qui sont en espagnol de Colombie. Alors le premier qu'il faut répéter, quand il s'agit de répéter, c'est que Tare Chimba. Tare Chimba. Ok, alors vous allez le refaire Tare Chimba devant la vidéo tout seul. Vous pouvez y aller. Tare Chimba. Très bien. Donc c'était ça qu'il fallait répéter en fait. C'est tout, ouais. Bah je vous remercie beaucoup. Comment? C'est pour Que les Français prononcent des mots en espagnol en fait. C'est des Espagnols qui vont regarder, des Colombiens, si on sait bien prononcer leur accent. D'accord? On fait une vidéo pour savoir comment on parle l'espagnol en français, comment les Français parlent l'espagnol en fait. En fait, il faut juste répéter un mot que je vais vous dire et vous dites sur YouTube, voir à peu près l'accent en fait. Alors vous devez dire no sea. No sea. Gonorreita. Gonorreita. Donc vous pouvez répéter. No sea gonorreita, je vous le dis après. No sea gonorreita. D'accord, en fait c'est une insulte que vous voulez dire là en fait. C'est pas méchant, mais c'est pour rigoler. Mais c'est quoi comme insulte? C'est ne soyez pas enculé en fait. D'accord. En fait je vais faire une compilation de plusieurs personnes qui disent cette insulte là et c'est rigolo. C'est préventif, c'est bien. D'accord, je vous remercie beaucoup.